TOLOVEIE.com. TOLOVEIE.com. www.tolobelavie.com. TOLOVEIE.com. www.tolobelavie.com. TOLOBELAVIE.com. www. Voilà, Bana Congo partout, Topé Sibido Bambote, merci na fidélité na bino, merci na confiance au Bozopé Sabiso à travers TOLOBELAVIE officiel. Merci également na grande équipe ya TOLOBELAVIE, merci na Washington, le grand pays na Munich, Alvaro Manza, le prince de la paix, Eric Chimano, KPDG Authentique, sans oublier notre réalisateur Steve Malungwe et Tolobakasanye Mawatro. Ceux qui ont l'ingo s'abonner à TOLOBELAVIE, tout ça qu'on le voit chaque fois. Ok, sur YouTube, au Betty TOLOBELAVIE officiel. Et qu'on peut avoir accès, je crois qu'on commence à nos frères de la vie. C'est un mot facile, c'est-à-dire ça, juste pour nous faciliter. Yo, on va s'abonner. Surtout tes vidéos, tout de suite là, on commence là. Exactement, parce que la vidéo me sort dans un retard. Mais ceux qui ont déjà abonné à la vie, je crois que. Tant que vous avez une vidéo, vous avez un et Coco Melayo. Voilà. Donc, merci Nabino Nyonso. Vous avez une confiance. Ceci est un peu Zali. Tout le monde a une grave information. Malgré tout le monde, à chaque fois que Papi Genazara journaliste, c'était Papi Genazara. Mon lobby, c'est-à-dire parmi les gens qui ont été en train de se faire. Donc, ce que vous avez un peu de temps, parce que vous avez préoccupé. Parce que vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Parce que vous avez il faut chaque fois que vous avez un peu de temps, vous avez un peu. Donc, c'est là, et la question qui est au sein de l'émission sous-titrée. Émission sous en avons besoin, ben gabiso, tokoya, toko salayam. Mais, branchez à la ramine, mingi, toko bela ramasolo. Donc, ça dit, soko ben gabiso, biro, zali, toko, ça dit, biso, toko, ça replace, nino, toko, koutana, pona, tomeka, ko sala, ba émission, monsieur Soudan, voilà, tozarana, biro, place, tozalaka, soko ben gabiso, en tout cas, toko koutana, pona, tomeka, pour biso to sala ratou et puis to le bras chaque fois muta mutu awa sala raté awa sala ka ça dit c'est pour tout le monde soko bengi biso en tout cas goya to goyamba yo et puis message no goloba atam moko to longola raté awa voilà information zali to bani mala moko information na biso Félix Tshisekedi déjà de retour na Kinshasa. Donc le chef de l'État a clôturé sa mission aux États-Unis d'Amérique. Il est arrivé à Kinshasa, c'est lundi 8 avril 2019. Parmi ses priorités, il y a notamment la tenue d'une réunion des conseils supérieurs de la défense. Pendant son séjour aux États-Unis, le chef de l'État congolais avait plusieurs fois évoqué la menace permanente du groupe armé islamiste dans l'est de la République démocratique du Congo. Donc, oui, parce que tout le monde a besoin de moi, mon képoto, mais que ce soit la paix qu'on a que Sabino, déjà, moi, bah, vidéo, ou tout ça, on a proposé Bino. Donc, fait, tu sais qu'il dit Lélo, à Zong déjà Kinshasa. Mais qu'on a eu, à Zong, il peut appeler Maté, à qui a mené les autres, c'est les Kouna, parce que dans l'Est, ils ont Kouinda, c'est Kouinda. Alors, il faut ça la réunion, mon code d'urgence. Il faut vendre ça vraiment, mille combattants, les soldats, la FARDC, la police, vendre les mécanos pour solo là. Parce que la situation, il y a une situation là. Il faut ici là, donc rapidement, il faut situation ici là. Donc, en fait, c'est ce qu'il dit, il faut vendre ça. Mboula Matadi, Pona, Komeka. Kobeta, Masolowana, il y a Est, parce qu'il y a souci, il y a vraiment que Makamba Est, il faut nécessairement ici, là, rapidement, pour Kimekota, pour Boibi, que tant que le baka, tu me souviens quand ça, Marambo, ça va vendre, tant que le baka, viol, viol, on les a, vidéo, les alliés, vidéo, les alliés, donc, docteur Mukwege, son excellence, docteur Mukwege, vient à Bissouana, respect, Bazaba, tout, Oyo, Moni Makaba, tout, Sungi, peuple congolais, côté Est, on a Puna. Est Zaramabela Congo. Donc, quand on a vu la basse côté, on a imaginé qu'il y a un combo à Toluba, on a viol. Et ça, combo moko maratro. Bah, tu vas au coup à côté, kuna. Donc, ils ont fait vraiment intervention parce que ma camboyo est gothique à la boétique. Alors, Félix Tshisekedi étant président de la République, la minute,
Chouezate, il faut nécessairement améka. Kota anan une situation oyo eza kolekawana. Alors, tu ne peux pas mettre sous ma solo, il y a Kimouyibi, oyo isami, je crois, on a vu dans le bilan militaire, on tient la bino bino mo Bokolanda, ba vidéo. Et Félix Tshisekedi encore, tu bandaka na vidéo na yimba la moko, après, tu kouya, tu kouya, tu kouya, tu kouya, donc, batubatunaki mingi mpona balobi Félix Tshisekedi na États-Unis ake kosala nini bake bayambi na bango ye na mutu moko boye fallait que tata Trump c'est-à-dire Trump que tata qui paye même pas et tout bon boyoka réponse na ye comme ça tokozonga mpona to continuer intervention abyss de rappelez-vous le toza moi moulaï moké parce que toza ma vidéo te proposer bino et puis tokolobe là sur moi ma kamso amike 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 oza koleka. Donc, tout lancement de nos vidéos comme ça, tout on va tout à l'heure. Je ne suis pas d'abord venu aux États-Unis pour rencontrer spécialement Donald Trump. Donc, si je l'avais rencontré, tant mieux, ça aurait été. Mais je crois que quiconque connaît le fonctionnement de l'administration américaine d'abord, mais même des pays à tradition démocratique, ils savent très bien que tous ceux que j'ai rencontrés, toutes les personnalités que j'ai rencontrées, toutes vont converger sur Donald Trump. Donc je n'aurai même pas absolument besoin de le voir pour lui dire ce que j'ai déjà dit aux autres. Surtout que ce que j'ai dit au secrétaire d'État, par exemple, pour ne prendre que son cas, ça tient de la politique étrangère des États-Unis. Et donc ça va. J'ai rencontré le secrétaire à la Santé. Vous croyez que c'est plus important de lui parler des problèmes d'Ebola et du soutien sanitaire que les États-Unis pourraient nous apporter ou d'en parler à Donald Trump et d'espérer des résultats? Moi, je pense que c'est à lui, c'est lui. D'autant plus qu'il est entouré de tous les experts. C'est plutôt lui qui pourrait être le bon interlocuteur. Donc, Donald Trump, c'est plutôt protocolaire, ça aurait été protocolaire, ça aurait été peut-être pour la postérité, prendre une photo, etc. Mais bon, je ne suis pas venu pour ça. J'étais venu, comme je l'ai dit dans mon introduction, pour renforcer les relations entre nos deux pays, qui étaient un petit peu refroidies ces derniers temps, je ne vous apprends rien. Et je suis heureux de les avoir réchauffés et par la même occasion, d'avoir déclenché beaucoup, beaucoup de choses ici qui seront bénéfiques à mon pays, non pas seulement par rapport aux États-Unis, mais même par rapport à la communauté internationale. J'ai rencontré Mme Christine Lagarde du FMI, qui dès lundi va reprendre langue, et je crois qu'au mois de mai, nous pourrons le partenariat entre la MONUSCO et les FARDC, oui, il y a eu de la brouille à un certain moment, mais aujourd'hui nous nous affairons à renforcer ces rapports et ça va de mieux en mieux. Vous savez que la MONUSCO a de nouveau reconduit son mandat. Son mandat a été reconduit par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et il va jusqu'en décembre, et à ce moment-là, nous referons le point pour savoir où on en est. Les effectifs, effectivement, vont être réduits à certains endroits, mais renforcés dans les zones à troubles, dans les zones à problèmes. Et comme vous le savez, c'est Beni, Butembo, dans le Grand Nord, Ituri, etc., parce que nous voulons, comme je le disais, éradiquer ces violences qui nous empêchent de regarder vers notre développement, vers autre chose de plus intéressant, que ce soit pour notre pays ou même toute la région des Grands Lacs. Et donc, c'est pour ça que par rapport aux ADF, je dirais que la lutte est rude. Vous savez que depuis peu, ces gens ont créé comme des accointances ou ont permis des infiltrations des islamistes membres de Daesh. Aujourd'hui, ces forces négatives, ces terroristes, pour les appeler comme ça par leur propre nom,
sont présents dans notre pays et ils appellent même à la création d'un califat. C'est très dangereux. Vous imaginez les dégâts que cela a causé en Syrie et en Libye. Et donc en Syrie, en Libye et surtout en Syrie et en Irak. Et donc nous ne sommes pas du tout prêts à accepter cela chez nous. C'est aussi de ça que nous avons parlé ici aux États-Unis et je repars content de ces échanges que j'ai eus et de, par rapport aux ADF. Je dirais que la lutte est rude. Vous savez que depuis peu, ces gens ont créé comme des acquaintances ou ont permis des infiltrations des islamistes membres de Daesh. Aujourd'hui, ces forces négatives, ces terroristes, pour les appeler comme ça par leur propre nom, sont présents dans notre pays et ils appellent même à la création d'un califat. C'est très dangereux. Vous imaginez les dégâts que cela a causés en Syrie et en Libye. Et donc en Syrie, en Libye et surtout en Syrie et en Irak. Et donc nous ne sommes pas du tout prêts à accepter cela chez nous. C'est aussi de ça que nous avons parlé ici aux États-Unis et je repars content de ces échanges que j'ai eus et des promesses d'engagement à lutter à nos côtés contre ce phénomène. Par rapport au Mbororo, c'est tout un autre, une autre facette du problème. Ça reste un problème parce que ce sont des éleveurs qui amènent leur bétail paître chez nous et ce dernier va jusque dans les champs de nos compatriotes, de nos paysans, et perturbe le bon déroulement des événements. Et depuis lors, ces gens viennent lourdement armés et un peu comme des conquérants. Nous devons faire un gros effort pour régler cette problématique qui est régionale en fait. Parce que ces gens viennent des pays généralement frappés par toutes sortes de sécheresses et sont à la recherche de paysages, de pâturages où ils pourraient mettre leur bétail. Pour le barrage Katende, je crois que c'est dans mes, ne vous en faites pas, c'est dans mes soucis, mais il n'y a pas que le barrage Katende, il y a plein d'autres barrages. Nous sommes en train de nous renseigner sur les besoins des uns et des autres des barrages, surtout les petits barrages par rapport à ceux qu'il faut ériger sur le site d'Inga. Pour voir comment est-ce que nous pourrons développer le domaine, le secteur énergétique. Nous avons beaucoup d'initiatives dans ce domaine. Il n'y a pas que l'hydroélectrique, il y a le soleil. Nous avons énormément de contacts. Dernièrement, j'ai séjourné au Maroc, en séjour privé certes, mais cela n'empêche pas, ne m'a pas empêché de prendre des contacts avec l'une des plus grosses firmes du solaire, de l'énergie solaire dans le monde, qui est marocaine. C'est à cette occasion d'ailleurs que j'ai appris que c'était une firme marocaine et qui va très bientôt arriver au Congo pour nous aider à aller dans ce sens et que j'ai mis en contact avec la SNEL, qui ont déjà désigné les sites sur lesquels on va relancer ça. Donc vraiment, il y a beaucoup d'initiatives qui vont arriver et je suis sûr que d'ici la fin de mon mandat, en tout cas, nous serons sur d'autres chantiers, en plus de ceux que j'ai déjà lancés dans les 100 jours et celui de problème de Katende là, dans les 100 jours que j'ai lancés. Mais vous verrez, il y a beaucoup plus que ça et le défi, c'est de mettre de l'électricité partout et pour tous les Congolais. Merci. Ok,
Depuis 2015, nous n'avions pas fait de revue commune de l'économie du Congo. Donc, on va commencer d'abord par remonter les manches, se mettre au travail et déterminer la situation économique ensemble pour faire ce qu'on appelle en langage FMI un article 4, c'est-à-dire que c'est un audit de l'économie de la République démocratique du Congo qui va nous permettre d'établir où sont les forces, où sont les faiblesses, où les politiques budgétaires peuvent être améliorées, où la situation peut être là aussi améliorée sur le plan de la protection. Voilà un peu, tout n'est qu'une question, je crois, Bozui. Réponse Nabino. Alors, pour na tous les cas, parce que tout ça, moi, ma cambo belo, tu proposer Bino, même na Sima, tu retiens Bino, image haute, le bio, on a donc. Dans le souci d'accompagner et de soutenir les actions du président de la République, Félix Tshisekedi, de jeunes des mouvements citoyens, associations et partis politiques, ont mis en place une structure dénommée Yes Weekend Fatih. Dimanche 7 avril à Kinshasa, les membres de cette plateforme, vous êtes déjà plateforme, ayant choisi comme autorité morale Roselyne Mbombo, combattante de Belgique, Yazan Deko, y a Félix Tshisekedi, ont mis en place un comité provisoire chargé de préparer la sortie officielle des Yes Weekend dans une semaine. Donc, Trésor Poutou a été désigné comme coordonnateur national. Il sera appuyé par Ludovic Alengaï à la communication et Karel chargé de la mobilisation. Voilà. Donc, Bandeko plateforme, c'est-à-dire plateforme Moko, Yes Weekend Fatih. Donc, et Botami plateforme, oui, Botami, donc, oui, déjà que plateforme, oui, non, Minitoyo, et Botami. Alors, ce qui est Botami, pour un souci, il y a Kotambola et le monde qu'on aime beaucoup, pour un souci, il y a, c'est-à-dire Kobongisambo, mais ce Botami, pour un Djalelo, Maratro, parce que, et Botamaraboui, au moins, ils ont Botama pour un Djalelo, ils ont Botama pour un Djalelo, donc, Maratro. Mais ce qui voyait vraiment pour la souci, il y a Kobongisa, Mboka, Pia Kotombo, Lankita, Mboka, Bozala vraiment le bienvenu. Dans le souci, la bise Zali, Boya Kaboye, mais Boya vraiment n'a pas idée, Oyo, Yokoyate Pona, bon, tout ça, les Pekaramo, pour Moussoupa, les amis de Fatih, pour Erobima. Erobima. Donc, il y a soit les amis, les amis qui djalélo, c'est-à-dire, au niveau de l'Ugalarte, au moins, il y a c'est-à-dire, Oyo, comme il y a la coopération, na yo. Donc, ceci, ils appellent tout le monde télé, mais la macambo. Voilà. Parce que je suis exaté. Pour ce tour le batté, on a vu ce goût en net, donc ce tour le batté, tout le batté. Mais, macambo, il faut tout le monde le bélan. Donc, pour nous soutenir, mon conjoint, il y a un peu de temps, il y a déjà moi et l'autre, ceux qui donc, voilà. Alors. Voilà Bruno Tshibala, ancien premier ministre, te bien déjà bon, malgré là nous va déposer Kakate. Donc, Ezana, association Mouba Sangani déjà, Balobi, va publier la liste de tous les membres du gouvernement Tshibala qui ont détourné le bien de l'État. Donc, Batunyon, ce Oba Yiba, le gouvernement, il y a Bruno Tshibala, oui, déjà que, ça. Parce que l'État des droits, il faut vendre ça là. Donc, c'est-à-dire, ce que Yibaka Ata Nini, Yomo Kenemba. Et puis, Ezala Kaka, gouvernement Tshibala, même Nabagou, c'est-à-dire, tout Kaka, à Yiba, il faut nécessairement État des droits, il faut qu'on ait un. Donc, ceci n'a pas numéro 00, c'est-à-dire, Mboka, il faut essayer de retrouver, Mboka, il faut respirer. Pour, parce que moi, Kangana, donc, Net Bruno Tshibala na mituna chaque fois nga lo ba chaque fois awa nabi mais Bruno Tshibala vraiment musala ni zala nini banda comme premier ministre a sala nini Bruno Tshibala parce que lobi ko ba za na clôture ya makamu na bango lo ko ba sisi ba sali fete fo mo na ba vimba moi to chamo zate parce que YouTube ndenge be zala ka mais lobi vraiment ba beta ki vimba ya ko sala te je crois que na page na biso ya tolobi la vie officielle c'est-à-dire obetik tolobi la vie. N'a pas jamais vu le tout comme papigène pour changer en karaté. Au moins,
Ok. Donc, ceci n'a plus à dire que Onyo soit Yiba et loco à l'État, Onyo soit Simba et loco à l'État, Yemoko fois que nous avons que ça y mbang, parce que état de toi, il faut vraiment et banda ko sala, il faut banda vraiment, c'est-à-dire ko kanga tout le monde, hein, et ça est important parce que batu ba yibi trop, batu ba sali ba n'importe quoi trop, mais batika ka bango kaka, au moins mouta sali ma bé, mais bati ka kaka, mouta mesa ou bo ma batu, bati mouni, c'est-à-dire ba arrestation arbitraire, ma mouana tout. Il faut ici là. Voilà. Tu mets le solo, c'est qu'il y a Martin Fayulu Madidi. Donc, voilà. Martin Fayulu Madidi, je crois, à l'école de la séance à prière, aux États-Unis, à Dallas, bah, Sambela qui prend Martin Fayulu. Tu mets côté la bino, moi, le coup, bino, boyoka. Comme ça, tu zonga tout de suite. Boyoka, boyoka, bino, boyoka, bino. Je crois que Makambamboka ba aventure te. Donc Martin Fayulu bongo, Martin Fayulu partout partout. Ils ba aventure te. Azotambola pour la jeter. Donc mon pas quand on le voit ba jeter, bon souvent mon aké. Ils ba aventure mais mon commissaire ne parle pas kaka. Beaucoup tout n'angoulu, au moins un peu beaucoup, beaucoup ni bien goulangou. Donc Martin Fayulu wana. Donc vous voyez que azotambola parce qu'il y a le baki. Vérité, c'est-à-dire bah, vérité, nyoso, y a bah, urne, il faut ébima dans poisson. Parce que, yé, azali moutou, oyo, selon yé, le baki, yende moutou, a gagné. Et puis, toyoki, yoki, 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 partout, mais bon. Martin Fayulu, alubi, a roti kate, fait, tu sais qu'il parle déjà, là, non, mesana, yé, mou, pe, nan, en États-Unis, alubi, bah, tu nyoso, bah, zoya, son, dengue, nini, bako, mesana, mais, Martin Fayulu, pas, l'ingi, nan, yé, mesana, yé, alubi, a roti kate, Akotikate, akotikate, akotikate. Voilà, donc, on continue la formation de Bissot. Obemina Kounjalanchof. Donc, les députés nationaux sortants exigent leur argent à Obeminaku. Obeminaku Azalaki, ancien président et assemblée nationale. Donc, vous voyez que les députés nyoso. Ba député ebele na minute oyo bazo réclamer mbongo na bango donc baza vraiment en colère ba député baza en colère ba réclamer l'arme na bango balobi Obeminaku afutaka bango te donc Obeminaku afuta bango te donc pour na bango jamais bazwa déjà même c'est-à-dire ti lelo nanu bazui ba indemnité na bango te. Obemina ko futa bango te bambongo na bango makambo na bango tout misu ba kenda ba voyage misu ba tambola partout partout ba mission de service nini nini tout mais Obemina ko alinga ko futa bango balanga na bango te alors ba député wana lelo baza na méchant ya ko sakana te contre Obemina ko balobi fou ba fond Obemina ko parce que Obemina ko aza parmi ba miyibi oyo il faut ba kanga wana ba député bisonganité ba député alors ba tomodelo eboye. Lobby sénateur. Donc, ma cambo, faut te revoir en open moi bien, 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 parce que, et ça, moi, pito palé, ma cambo, et ça, moi, pito palé, vraiment, la Cathy. Donc, voilà. Pour ceux qui s'attendent à la bino, vidéo, oyo, bon, la bino, moko, pour mona, et puis vous allez comprendre, ma cambo, l'équipe, ma cambo, le bami, la vidéo, oyo, ce que t'as dit, boyo, kanam, mawa, hein, bah, t'as des droits, puis la fois, ça, parce que, bah, tu, y'a modèle, oyo, pour mon avis, non, ça dit, bah, ça poste pour nous qui mouillibi. Ça dit, tu vois, on vole, t'es pas vol, les au bon guise, on vole, au bon guise, on. Mais mon avis, qui mouillibi. Bon, on a bien, on
Donc je crois la vidéo on dit au carbone émission à bino bolanda comme ça aux onga pour tout ça là des annonces il y a émission à bino. Deux des six véhicules détenus par l'ancien président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Roger Nsingi, viennent d'être récupérés par la police nationale congolaise. L'actuel président de l'organe délibérant s'est rendu ce samedi à l'état-major du commissariat provincial de la police nationale congolaise pour en faire le constat. Accueilli par le commissaire provincial Silvano Kasongo, Godem Poi, qui avait à ses côtés le rapporteur Junior Nemba Nemba, a eu droit aux honneurs avant de se faire présenter le butin. Dans le cadre de la plainte déposée par le bureau de l'Assemblée provinciale ville de Kinshasa en rapport avec le détournement de biens de l'État par le bureau de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa sortant. Après investigation, les services du commissariat provincial de la police ville de Kinshasa, après investigation, vient de saisir six véhicules, dont quatre jeeps, présentement déjà acheminés aux installations de l'Assemblée provinciale de ville de Kinshasa. Et les deux autres, il y a une Jeep Ford et un minibus Toyota Yas que voici, saisi par votre police, commissariat de la police ville de Kinshasa. Et le suspect, je cite, monsieur Roger Nsingi, est ici à l'état-major du commissariat provincial. Merci. Pour le commissaire provincial Silvano Kasongo, les instructions des nouvelles autorités en matière de restitution des biens de l'État seront observées dans toute leur rigueur. Roger Nsingi est tenu de restituer les quatre autres véhicules sous peine d'être transférés au parquet. Bolandi, nenge porte-parole à l'lobby. Tout ça qui saisit dans l'Assemblée provinciale, le bureau de l'Assemblée provinciale pour la colocami tout cas. Oyo bureau sortant izwaki makambo ya honorable si écoute bandaki na bureau musu ya kala ya ba mikanda ebele ba komaki mais ye azaki mutu makasa ngao zong sami mitukate alors soki mandat de perquisition na mandat d'amener toki anda kona ye to récupérer mitukami bale wana et itikali mine abaninga mususu bale bayoki basango wana na communiquer to lekisaki bazongi si mine mususu oyo ya singite. C'est que ma rapporteur, ma vice-président, il y a bureau sortant. Bazongi simine, ils ont connu dans l'Assemblée provinciale. Singi tokangie parce qu'il y a une zone qui s'amine, mais ce soir, alors bas que ça village naie, na ferme naie. Ce qui a zongi si ango, toi tiki, ce qui a zongi c'était lundi, tu continues dans le parquet général, pas qu'un de ensemble. Vise de procédure n'est ni de sali mandat d'amener, bise de sali mandat d'amener, officier ministère public. Après ce soir, décerné bise mandat d'amener, tokangie en bonne et due forme. Ce vice procédé à l'état de la justice. Puis tout ça, commettre infraction à mon côté. Ah ça, on a garde à vue. D'ailleurs, tout ça, ici, il fallait que nous mettions un bloc. Le contenu à rang, au antérieur, fonction antérieure, il y a un petit qui est pour la bonne moto. Normalement, il faut faire la cachot, ce qu'on a eu pour être côté la cachot. Alors, et ça, droit. Puis tout ça, auxiliaire à justice. Ceux qui mettent de outils la justice, ceux qui peuvent l'institution, ceux qui mettent de ça. Commandant suprême, ceux qui ont lobby, ceux qui ont un attends aux alinani, ceux qui ont un alors, on a tout ça qui communiqué. On a mis de la directeur de cabinet, la chef de l'État. Alors, on a mis de l'État à Zongisa. Et à Ndako, et à la Moutouka, à Zongisa. Sinon, on a ridiculisé. C'est que ceux qui ont un Kanga, pour l'État à Zongisa. Il faut travailler parce que si on a un temps, on a ce qui est ici. Prenant à son tour la parole, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a rappelé qu'il avait placé son mandat sous le signe du retour à l'ordre. Godem Poi déplore par ailleurs que sa patience ait été abusée. Lors de la prise de mes fonctions, j'avais promis aux Kinoises et aux Kinois que nous allons imprimer un nouveau management dans la ville de Kinshasa.
j'avais dit que tout celui qui détenait les biens de l'Assemblée provinciale, il devait les retourner. Pour cela, j'avais accordé un moratoire de 48 heures. Les gens s'étaient exécutés faiblement. Par élégance, j'avais invité à mon cabinet mes prédécesseurs, tous les bureaux. Nous avons négocié pendant 30 jours. J'ai fait intervenir même des amis communs pour faire comprendre aux collègues que moi, j'ai un appétit d'ordre. Ils ont fait la sourde oreille. C'est pourquoi j'étais obligé de saisir la police. Je voudrais ici remercier de manière collégiale toute la police de notre ville-province de Kinshasa et de manière particulière son chef, le général Kasonga, à ma droite, parce qu'ils m'ont facilité la tâche. Je suis heureux d'apprendre aujourd'hui que le gouvernement central s'est réveillé aussi pour nous emboîter les pas. Je vous dis que cette ville, tant que nous serons là, servira de modèle de gestion à toute la République. J'ai saisi cette occasion parce que j'ai appris qu'en dehors des véhicules que détient mon prédécesseur, quatre de ses collaborateurs en détenaient d'autres. Donc je voulais parler avec le général pour que les adresses de ses collaborateurs soient communiquées et ces véhicules doivent être récupérés. TOLOBELAVIE.com TOLOBELAVIE.com www.tolobelavie.com TO